déterminant, une distance qui va me faire au départ le départ de du cône, de la pointage. J'écrase le métal sur une autre face. Je l'écrase sur l'autre face. Pour en faire une section carrée. On fait des carrés avec des ronds. On fait des carrés avec des ronds. On fait du rond avec du carré. Hein. Donc le métal, en l'écrasant, il va s'allonger. Pour appointer, il faut toujours travailler de la pointe vers l'arrière. Avec une distance, j'ai déterminé comme ça. Voilà, ça va. Le métal, je l'étire en section carrée pour la pointer. Et je continue jusqu'à ce que je considère que ma pointe soit comme je le souhaite. Alors je l'écrase sur deux faces. Et toujours. Toujours en gardant le carré. Et la difficulté, c'est que le fer doit toujours être bien droit. Donc, il faut bien le tenir là, ne pas le bouger là. Une fois que je considère que la pointe est comme je la veux, je vais arrondir les angles en tapant sur les angles. D'avoir une frappe régulière et toujours bien droite. Et là, je peux continuer en tournant à apporter le métal. Bon, c'est pas très tout à fait très régulier, donc je peux. C'est malléable. Voilà, j'ai envie de le faire, je vais démarrer une petite volute. Donc la volute, la difficulté d'une volute, c'est d'avoir ce qu'on appelle le compas dans l'œil. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif et avoir déjà, à partir d'une section de barre droite, une section déjà courbée, mentalement avoir l'image de la courbe dans la tête. C'est un travail de précision et surtout être toujours très attentif. Donc on est toujours très très concentré sur ce qu'on fait. Quoi. Voilà. Une jolie spirale. Je pourrais utiliser comme élément décoratif sur ma fameuse Olympia. Je pense qu'elle va servir comme élément décoratif sur la coiffure. Voilà, la spirale est faite. Toutes mes réalisations sont faites à partir d'études dessinées. Je passe beaucoup de temps en conception. Donc bien sûr, je m'inspire par la peinture, puisque au départ, je suis dessinateur, graphiste et peintre. De formation, donc je m'inspire beaucoup de la peinture, soit la peinture, en l'occurrence pour l'Olympia, c'est la peinture impressionniste d'Edouard Manet, sinon d'éléments décoratifs, des éléments de bureau, des éléments de les sculptures, les bas-reliefs Rabouandabou par exemple, éléments floraux. Thank you.
autant jeune que mes jeans sont dégueulasses. Ça, c'est vrai. C'est une vérité que j'ai eu l'occasion de reconnaître, de mettre en pratique lorsque j'ai décidé en 2008 de m'installer comme frôleur. Voilà, on le déforme. Que j'ai exercé pendant 30 ans spécialisé dans l'événementiel. J'ai réalisé beaucoup d'affiches dans l'édition, de support de papier, support papier, édition. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais envie de m'attaquer à la matière, au volume. Le fer, c'est une matière qui m'a toujours plu. Parce que c'est un élément, c'est une matière qui est un peu magique. On a du mal lorsqu'on voit des fers forgés, des portails, des balcons avec des volutes, des jolies formes. On a du mal à imaginer qu'une matière aussi brute que le fer, aussi froide, aussi lourde que le fer, puisse former des dessins, des formes originales, des courbes. Bon, ça suppose bien sûr un travail. Un travail, une énergie, une passion. J'ai gardé toujours le souci du dessin, du détail dans ma création. Donc je vais terminer cet arrondi circulaire autour du gabarit. À quoi ça sert pour vous, les journées européennes, les métiers de l'art, portes ouvertes, tout ça? Ça sert à quelque chose? Ça sert à les journées européennes, les métiers d'art, sert à déjà me faire connaître, à montrer aux gens ce que je fais, ce que je réalise, à faire connaître les gens qui, comme moi, ont choisi de faire un métier axé dans la création, dans des pièces originales. Pièce que j'ai pu réaliser depuis que j'ai commencé à réaliser. Une pièce que j'ai commencé hier, que je suis en passe de terminer, il s'agit d'une rambarde de terrasse. Mon modèle a été inspiré du tableau de Léon Manet, Clark.